Hey, salut à tous, c'est Matt Gaming, Matt Potter. Vous m'avez bien entendu, j'espère. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire un tag. Et ouais. Un tag, c'est quoi? En fait, c'est un tag Harry Potter. C'est soit tu te maries, soit tu l'amènes à Azkaban, ou soit tu le tues. Donc, Azkaban et tuer, c'est un peu pareil. C'est un tag Harry Potter que je vais faire dès maintenant. Alors, pour ça, c'est très très bien parce que, comme par hasard, hein, alors attendez, s'il vous plaît, hein, je suis vraiment désolée, je vous retrouve dès que... Alors, si vous avez vu ma précédente vidéo, je vous ai dit que j'avais fait un petit mémo et maintenant il y a plein de petits personnages. Eh bien, j'en pourrais piocher trois. Là, j'en ai un, deux. Alors, j'en ai... 3. Je les ai piochés au hasard. Donc on va mettre ça là. On a... Alors je vous laisse regarder en premier. Ah bah non. Bah non, attendez. On va en prendre un au pif. Alors, je ne sais pas du tout ce sont lesquels. Alors derrière, il y a juste marqué Harry Potter. Alors, Severus Rogue, Monsieur Flitwick, Percy Weasley. Derrière, il y a marqué Harry Potter. Alors, qui j'envoie à Azkaban? J'envoie à Azkaban. Je suis plutôt du côté. Severus Rogue, c'est pas mon personnage. Alors, à Azkaban, j'envoie Severus Rogue. Je tue Monsieur Flitwick. Enfin, je me marie avec Percy Weasley, mais. Ce n'est pas vraiment vrai, hein. Bah oui. J'en ai pris 3. Donc, vous êtes les premiers à découvrir, je vous le rappelle. Alors, madame. Alors. Je ne sais pas du tout c'est lesquels. Alors, si Monsieur Flitwick, ça revient plusieurs fois, c'est pas grave. Non, voilà. Alors, on a deux mange-morts. Enfin, le maître de la magie noire et Monsieur Flitwick. Alors, j'envoie Azkaban Bellatrix Lestrange. Je tue Lord Voldemort. Je me barie avec Monsieur Flitwick. C'est totalement normal. Parce que je n'aime pas les mange-morts. Alors, on est tombé sur... Alors, je sens que ça va être dur. Ce que nous avons... Albus Dumbledore, Harry Potter et Fred et George Weasley. Qui j'envoie à Azkaban? Qui j'envoie à Azkaban? Je pense que je vais envoyer à Azkaban Fred et George Weasley. Même si je les aime. Alors, à la fin, je vous mettrai tous ceux que j'ai mis à Azkaban, tous ceux que j'ai mis à truc, vous voyez. Je tue Albus Dumbledore et je me marie avec Harry Potter. Ben, très bien, on en a 3. Sirius Black, Draco Malfoy, pardon, qu'est-ce que j'ai fait là, et Monsieur Neville Londubat. Alors, j'envoie Azkaban Neville Londubat, désolé. Je tue Draco Malfoy et je me marie avec Sirius Black. Voilà. Voilà, voilà. C'est très simple parce qu'en fait... désolé Neville, hein, mais je t'envoie quand même à Azkaban, donc c'est déjà mieux que d'être mort. Alors, on a... Je suis désolée. Sirius Black, Ginny Weasley et McGonagall. Alors... Qui on envoie je pense que Madame Minerva McGonagall va aller à la prison d'Azkaban. Ginny Weasley, bah non. Sirius Black va retourner à la prison d'Azkaban. Je tue Minerva McGonagall et je me marie avec Ginny Weasley. C'est la plus rentable. Même si j'aurais préféré tomber sur... Non, personne... Alors, on en a 3. Alors, on a I am Lord Voldemort. On a Queue de Verre. Et on a Arthur Weasley. J'envoie Queue de Verre à Azkaban. Je tue Lord Voldemort et je me marie avec Arthur Weasley. Alors, ça va aller très vite. Hein. Alors, voilà, je ne vois pas c'est qui. Alors, on a Percy Weasley, Luna Lovegood et Ron Weasley. Percy va aller faire un petit tour à Azkaban.
Je tue Luna. Je me marie avec Ron. Ron, c'est l'un de mes personnages préférés. Derrière Monsieur Potter. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'on va tomber sur... Alors, voilà. Voilà, et j'en suis sûre. Alors, il y a qui ? Monsieur Maugréfolleuil, Monsieur Harry Potter et Madame Luna Lovegood. Monsieur Maugréfolleuil va aller faire un petit tour à Azkaban. Luna Lovegood va mourir. Et je me marie avec Monsieur Potter. Vous voyez, ça va super vite, en fait. Alors... J'essaye de tout... Voilà. Alors... Voilà. Pardon. Ça fait trop bizarre. Alors, si je suis dans la même tenue que la précédente vidéo, et que je suis fatiguée, c'est parce que je tourne les deux vidéos en même temps. Enfin, juste après. Alors, Neville Londubat, Draco Malfoy... Et Arthur Weasley. Alors, dites-moi si vous dites Drago ou Draco. C'est bizarre, hein, mais moi, j'ai Drago Malfoy. Ok. Qu'est-ce que je fais? Drago Malfoy va faire une petite saison à Azkaban. Je tue Arthur Weasley. Je me marie avec mes vélos de bas. Qui est joué par Matthew Lewis. Ah! Ah! Attendez, s'il vous plaît. On a Monsieur Maugréfolleuil, Ginny Weasley et Minerva McGonagall. Qu'allons-nous faire? Alors, ça va être dur. Minerva McGonagall, qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, je me marie avec Ginny. Maintenant, c'est le choix douloureux. Parce que Minerva, elle a compté quand même pour Harry un peu. Et Maugréfolleuil aussi, parce qu'il l'a quand même... Donc, je crois que je tue Maugréfolleuil et je mets Madame Minerva McGonagall. Alors, pour la fin, je ferai une liste. Pour ceux qui sont morts, je vous mettrai un sort Avada Kedavra. Voilà. Quelle belle prononciation. Quels sont les personnages? Alors, je pense que ça va être tiré au clair. Severus Rogue meurt. Molly Weasley va à Azkaban. Et je me marie avec Hermione Granger. Oui, je sais. Alors, on a récupéré qui? Je pense que ça va aller très vite aussi. On a récupéré Fred et George Weasley. Hermione Granger et Queue de Verre. Queue de Verre meurt. Fred et George à Azkaban. Et je me marie avec Hermione Granger. Alors, si vous retrouvez par exemple deux fois le nom de Hermione ou Harry dans le truc de la liste là, dans par exemple la liste je me marie et vous les retrouvez deux fois, eh bien c'est normal. C'est bizarre ceci, très bizarre. J'ai l'impression de manquer quelque chose, mais ce n'est pas grave. Alors, on a Molly Weasley, Ron Weasley, Bellatrix Lestrange. Je tue Bellatrix Lestrange, Molly Weasley 20, Azkaban et Ron. Je me marie avec. Et voilà. Voilà. Bon. J'ai bien aimé ce petit jeu. Alors, pardon. J'ai bien aimé ce petit jeu. C'était marrant. Cette fois-ci, cette semaine, il y aura deux vidéos qui sortent. Et en même temps, alors ne vous plaignez pas, peut-être une troisième qui sortira. Mais donnez-moi des idées dans les commentaires, s'il vous plaît. Une troisième vidéo sortira, peut-être. Oui. Oh, oui. Je vous présenterai ma collection officielle Harry Potter. Bye, c'était Matt Potter. C'était Matt Potter. Et désolé, le sort n'a pas marché. Je me suis pris contre. J'ai passé à l'infirmerie. Madame Pomme Fraîche m'a dit que ça allait bien. Et elle m'a dit que je pouvais terminer ma vidéo. Alors, au revoir.